Peut-être penser à ranger tes affaires. Ah, mais c'est que je ne peux pas ranger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis trop petit. Je suis un bébé. Vraiment? Moi, je te trouve bien grand pour un bébé. Pour être un vrai bébé... Non, je dois trouver... Ah, un biberon de bébé. Ah, une tétine de bébé. Un doudou de bébé. Pour être un vrai bébé, il me manque encore une chose. Un is-o-is. Et c'est une poussette de bébé. Oh. Le problème avec les poussettes, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire entrer au cinéma. Au cinéma ? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Quand je pense qu'on voulait aller voir ce film de cow-boy tous ensemble. Un film de cow-boy? Ce n'est pas très grave. À la place, on ira au bac à sable. Oui, oui, le bac à sable, c'est mieux pour les bébés. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais, Trotro? Tu ne vois pas comme j'ai grandi? Regarde, tu as vu? Je suis un grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis Trotro, le plus grand cow-boy de l'Ouest. C'est quoi ce drôle de caillou? Toc, toc, toc. Ah! Eh! Mais c'est une tortue! Eh! Ne te sauve pas, madame la tortue! Hein? Maman, maman! Regarde, j'ai trouvé une tortue! Oh! Elle est rentrée dans sa maison! Mais tu sais, c'est une vraie tortue avec une tête et des pattes à l'intérieur! Bien sûr, mon Trotro. Va prendre une feuille de salade dans la cuisine et donne-lui à manger. Allez, Madame Tortue, sors! N'aie pas peur, je suis un gentil Trotro. Ah! C'est bon, hein? Attends! Elle ne va pas très vite, ta tortue nounours. Viens!
Allez, on se promène. Oh, tu fais quoi, Trotro? Je me promène avec ma tortue, je l'ai trouvée tout seule. Elle est belle, mais elle ne va pas vite. C'est parce qu'elle transporte sa petite maison sur son dos, c'est fatigant. Je vais l'aider. Vas-y, mets-la derrière moi, Lily. Ah, oui, oui. Aucune tortue n'est aussi rapide que la mienne. Alors, tu es contente? Tu vas beaucoup trop vite, Trotro. Oh, elle est rentrée dans sa maison. Ouh, madame la tortue. Toc, 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 tu es là? Peut-être que maman va savoir quoi faire. Maman, ma tortue s'est enfermée chez elle. Elle ne veut plus me répondre. Peut-être qu'elle a envie de se reposer bien tranquillement. Relâche-la dans l'herbe et joue à autre chose. Aglaé, Aglaé, où es-tu? Ah, mon Aglaé. Mais c'est ma tortue. Non, c'est la mienne. Elle s'est sauvée de chez moi et je la cherche depuis ce matin. Merci de m'avoir retrouvé ma tortue, Trotro. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Maman, elle m'a fait un bisou parce que j'ai retrouvé sa tortue. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut. Trotro rigolo. Bonjour Trotro. Bonjour Boubou. Tu cherches quoi, un trésor? Non, je construis un château. Un château? Un grand château avec des tours. Je peux t'aider? Oui, il faut faire 4 tours. Waouh! Oh non! Le sable, il est trop mou. Oh, tu as raison. Il faut le mélanger avec de l'eau. Bonjour Lily, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ramasse des algues et des étoiles de mer pour faire un beau jardin. Et vous? Nous, on vient chercher de l'eau pour construire un château. Un château? Oui, un grand château. Si tu as envie, tu peux venir avec nous. D'accord, et je ferai le jardin du château. Allez, on retourne au château, viens avec nous. Mais il est tout petit, votre château. Il n'est pas encore fini, Lily. Regarde, on va faire les tours. Il faut bien tasser. Quelle est grande! Vite, construisons les 3 autres. Devant le château, il faut de l'herbe. Des fleurs. Un beau jardin. Et voilà un grand château. Mais il manque une route à notre château. J'ai une idée. Et voilà. Mais il n'y a pas de porte pour entrer dedans. Il n'y a qu'à en faire une. Et voilà, notre grand château est fini. Non, non, il faut aussi le décorer. Attendez, je reviens tout de suite. Tu crois qu'il manque quelque chose? Un drapeau. Un vrai château a toujours un drapeau. Viens, Boubou. Ça y est. Voilà, il est enfin terminé. Notre grand... Oh, wow, un crabe. Regardez, un crabe. On lui a fait une belle maison. On lui a fait un vrai château, tu veux dire. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo.
L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, Trotro. Je vais faire une petite promenade, Trotro. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais Trotro, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Oh. Va jouer un peu en l'attendant. Oh, je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Qu'il y a d'autre pour jouer dans cette maison. Ce tapis me semble parfait pour les galipettes. Je vais battre mon record. Et un, et deux, et trois. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Voici un magnifique trampoline. Et hop, sur les pieds. Et hop, sur les fesses. Et hop, sur le dos. J'adore sauter sur ce lit. Et voilà une bonne cachette. Mais... il n'y a personne pour me trouver. Trotro, oh, Boubou est là. Chic, Boubou est arrivé. Je reste cachée pour que Boubou me cherche. J'espère qu'il va vite me trouver. Trotro, Trotro, où es-tu? Boubou, tu m'as fait peur, Trotro. Quelle bonne cachette. Je connais une autre, Boubou. Suis-moi. Ça ressemble à une petite cabane. Oh, j'adore ta maison, Trotro. Il y a plein de choses pour jouer. Oui, dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer. L'âne Trotro, l'âne Trotro, trop trop rigolo. L'âne Trotro, l'âne Trotro, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà! Je l'ai trouvé! Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant, les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups,
Oh là là, quelle grosse tache! J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée, je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman, ils vont être étonnés. Papa, 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 tu as vu mon t-shirt? Oh, superbe ce tigre, Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt, Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Ha 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 ha! L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut, Trotro rigolo. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi. Oui, des livres. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette, un jeu pour jouer avec les copains. Oh, ouais, le gros maintenant. Oh, exactement ce que je voulais. Qu'elle est belle. Ma voiture, elle va vite. Alors, tu es content? Oui. Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant. Ouais, c'est bien! Il faut que Boubou la voie. Allô, Boubou? C'est moi, Trotro. Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi? Tu viens jouer? D'accord. C'est Boubou! Youpi! Viens vite! Oh, c'est la même que la mienne. On fait la course? C'est moi qui vais gagner. C'est la mienne, j'ai gagné. Comment c'est la tienne? C'est la mienne celle-là. J'ai une idée pour ne pas les confondre. Et monsieur Nounours prend la tête de la cour. Oui. Ouais. Eh, hey, tu les as vues les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer. Moi je suis le terrible pirate Trotro. Et moi le terrible Boubou. Il y a la tempête sur la mer. Oh. C'est rigolo les grosses boîtes de cadeaux. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, Trotro rigolo.
L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop trop rigolo. Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh! Il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman! Je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Qu'elle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily! Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli! On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut. Trotro rigolo. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout seul. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas. Tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion! Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant mon Trotro. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain.
mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau dans l'eau, ça va être rigolo. Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau. Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Je vais prendre un bain de jouets. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut, Trotro rigolo. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement! Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Uh-huh. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Hein? Bravo, papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, Trotro. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas. Je te passe Trotro. Tiens, Trotro, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, l'âne Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut, Trotro rigolo.
la la, la 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 la. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Bonjour Madame la Fleuriste, je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, Madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, Madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Oh! Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? Oh, j'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez, moi je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose, c'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui. Attends, à moi, Boubou. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. C'est drôle. Je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro, livreur express. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. L'âne Trotro, c'est l'ami qu'il nous faut. Trotro rigolo. Ouais. Coucou les copains. Vous avez vu ma nouvelle trottinette? Ouais. Elle est belle. Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite. Ce n'est pas vrai. Une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo. Non, tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum. On fait la course si tu veux. Le premier qui fait le tour du jardin a gagné. D'accord. Boubou, tu es l'arbitre. Tu vas voir. 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. Ah,
était si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! L'île est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Haha! Encore une fois! Hihihi! Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Mais c'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné! C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop! Oh non! On refait la course, Lily? Non! Ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop! Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat! Le premier arrivé a la plus grosse part! Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas! Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo! L'âne trop, l'âne trop rigolo. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop rigolo. Maman, s'il te plaît, tu veux bien me donner des bonbons? Mais trop, tu n'entends pas tes petites dents qui crient pitié, non, non, pas de bonbons. Peut-être, mais mon petit ventre dit les bonbons, c'est très bon. D'accord, Trotro, je vais t'en donner un. Youpi! Celui-là. Non, plutôt le jaune. Non, le plus gros. Merci, maman. J'adore les bonbons. Mais ça se mange trop vite. Heureusement, maintenant, je connais la cachette. Je ne sais pas lequel choisir. Mais cette fois, je peux en prendre deux. J'ai une idée. Je vais en goûter un de chaque couleur. Comme ça, je saurai celui que je préfère. Ceux à la fraise sont délicieux. Ceux au citron sont bons aussi. Je les adore tous. Trop, Lily t'attend pour aller jouer. J'arrive. Bonjour Lily. Bonjour trop. Oh. Oh, le vilain petit gourmand. J'ai une surprise pour toi, Lily. Tiens. Oh, merci, Trotro. J'adore les bonbons. On joue à chat? Chat. À table, Trotro. Je crois que je n'ai pas très faim. Les épinards sont prêts. Ça sent bon. Des épinards? J'ai mal au ventre, maman. Ah oui, c'est peut-être ton vilain petit ventre qui te dit que tu as trop mangé de bonbons. Je crois que mon petit ventre me dit plutôt qu'il n'aime pas les épinards. L'âne trop, l'âne trop rigolo. L'âne trop, l'âne trop rigolo. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop rigolo. Papa rentre du marché. Bonjour, papa. Bonjour, Trotro. Je
Je porte le panier, je porte le panier. Mais non, mon Trotro, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Par contre, je pense que tu peux porter ça. Oh, une sucette. Merci, papa. Tu la mangeras après le déjeuner, Trotro. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Comme il sent bon. C'est très gentil. Oh, elle est très contente, maman. Hop. J'ai une idée. Si j'offre un bouquet à Nana, je suis sûre qu'elle sera aussi contente que maman. Il faut absolument que je trouve de belles fleurs pour Nana. Ah, voilà. Jolie Marguerite, tu es la première fleur de mon bouquet. Et tu sens bon. Et hop, un beau coquelicot pour mon bouquet. Oh, la belle brindille. Allez, toi aussi, dans mon bouquet. Tiens, Lily a oublié sa pelle. Elle est jolie aussi. Je vais la mettre dans mon bouquet. Ah! Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans mon bouquet? Ça! C'est beau, la petite brosse. Oh, le beau plumeau! Je sais ce qui va rendre mon bouquet encore plus gros. Excuse-moi, nounours, mais c'est très important, c'est pour Nana. Et voilà, le plus beau des bouquets. Oh! Il faut l'attacher maintenant. Voyons voir là-dedans. Non, elle est trop grande. Non, non plus. Elle n'est pas jolie, non plus. Ah voilà, celle-là, elle est belle. Voilà, Nana va être contente. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Tiens Nana, oh, c'est pour toi. Pour moi? C'est un très beau bouquet Trotro. Je vais le garder toute ma vie. Merci beaucoup. Et la sucette aussi, tu veux la garder toute ta vie? Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. Et maintenant trop trop fait une passe. Et c'est encore trop trop qui récupère le ballon. Super, bravo trop trop. Et maintenant un but. Oh! Oh! Mais c'est un bébé oiseau! Qu'il est mignon! Mais où sont tes parents? Tu ne peux pas rester tout seul, tu es trop petit! Tu ne sais même pas voler! Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi! Je vais te fabriquer un petit lit! Il ne te plaît pas? Peut-être que tu as soif. Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé! Tu as faim! Regarde, il reste encore une glace. Tu vas te régaler. La fraise, c'est mon parfum préféré. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas la glace? Je vais voir ce que je trouve d'autre. Peut-être que tu préfères le fromage. Tu as l'air un peu difficile. Mais je vais chercher quelque chose d'autre. Là, si ça ne te plaît pas,
je ne sais plus quoi te donner. Mais que se passe-t-il, Trotro? D'où vient ce petit oiseau? Tu sais, il était abandonné tout seul au pied du pommier, alors je l'ai rapporté à la maison. Mais Trotro, ce petit oiseau a besoin de ses parents. Ils sont partis lui chercher de la nourriture. Alors que faut-il faire, maman? Nous allons le remettre dans son petit nid. Regarde, maman, le petit nid est là. Tu vois, ses parents ne sont pas là. Pose le petit oiseau dans son nid, Trotro, et nous allons bien voir. Regarde, Trotro, voici ses parents. Oh, il a l'air de bien aimer les vers de terre. Tu vois, Trotro, ses parents savent ce dont il a besoin. Ils ne l'ont pas abandonné. Tu sais, maman, je suis bien content que le petit oiseau ait retrouvé ses parents.